Bonjour. Bonjour. Je suis sous la pluie auprès de la grotte où nous attendons la messe et je rencontre quelqu'un qui est dans une petite voiture bleue et qui va se présenter. Je m'appelle Odette et je suis de Ploulir. Et c'est la première fois que je viens en voiture bleue, mais c'est la 15e fois que je viens à Lourdes. Et qu'est-ce que vous venez chercher lorsque vous venez à Lourdes comme ça? Comme ça, l'appui de la Vierge. Vous priez souvent la Vierge? Tout le temps, parce que c'est elle qui me donne le courage de continuer à avancer. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez beaucoup chanter en breton. Dites-nous, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette langue? Et puis qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous aimez parler en breton? Je veux que la langue bretonne continue et que vraiment ça devienne quelque chose qui soit habituel chez nous. Est-ce que vous avez des pardons dans votre secteur? Est-ce que vous y allez? Oui, tous les pardons. J'étais dans le quartier de Saint-Herbaut à Ploulir. Et actuellement, est-ce qu'il y a des messes en breton dans votre secteur? Oui, avec Yann Talbot. Et vous y allez, bien sûr? Non. Non? Non. Pourquoi? J'aime pas la consécration en breton parce que les enfants ne le comprennent pas et c'est un peu dommage. Mais il faut apprendre en breton aux enfants? Oui, mes petits-enfants, ils savent le breton. Mes arrières, je ne crois pas encore. Mais bon, ça viendra peut-être. Bien, merci. La messe vient juste de commencer. Nous entendons les chants. Je vais vous laisser prier à votre aise, sous la pluie. Mais vous avez la chance, vous êtes protégé par une capote. Et j'espère que ça va bien se passer. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à quelqu'un? N'hésitez pas. Oui, mais je n'ai rien de spécial. Voilà. Vous avez des intentions de prière, par exemple? Ah oui, j'ai des intentions de prière. Même qu'on m'a demandé de prier pour certaines personnes. Eh bien, je vous laisse le faire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.